fait, j'ai pas vraiment senti que j'étais pas attaché, mais il y a un truc qui s'est passé où je me suis dit, il y a un truc pas normal. C'est la chose qu'on redoute tous, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a manqué, quelque chose dans notre pré-vol, dans notre manipulation. Par contre, du coup, comme il y avait un truc bizarre, j'ai affalé tout de suite la voile. Et c'est une fois la voile affalée où je me suis aperçu que j'étais pas attaché. Donc, je pense que si on a un moindre doute à un moment du gonflage, bah, voilà, de toute façon, il faut arrêter. Et puis, bon, si c'est rien, bah, c'est rien, on recommence. Et puis, quoi, moi, dans mon cas, j'étais bien content de, j'étais bien content de m'être arrêté, quoi. Aucun pilote, quel que soit son niveau, n'est à l'abri d'un oubli d'attache. Pour éviter que ça arrive, c'est bien de se mettre en place un petit rituel qui nous est propre, qui nous appartient. Quelque chose qu'on va répéter, une petite routine qu'on va répéter avant chaque décollage. Et à partir du moment où tu mets ta sellette sur les épaules, il faut que ce soit systématique, automatique, sans rien qui vienne te perturber, quoi. Dans l'aéronautique, tout le monde fait des checklists hyper strictes. En parapente, on ne fait pas suffisamment de checklists importantes. Donc, dans la partie décollage, on parle souvent de gonflage, temporisation, accélération. À mon avis, avant, on devrait intégrer prévol ou checklist, mais pile avant le décollage. Ah ouais, alors les boucles de sellette, je tire systématiquement dessus, quoi. Je la boucle et je la retiens pour être sûr que... Alors déjà, si elle ne fait pas le clic, c'est qu'il y a un souci. Et même si elle fait le clic, je retire dessus pour être sûr qu'elle ne se libère pas. On sait avec toutes les expériences dans l'histoire du parapente qu'on pense pouvoir tenir jusqu'à l'atterro, jusqu'à être en bas. Et en fait, il s'avère qu'au bout de quelques minutes, si on est coincé sous les aisselles par les sangles lombaires, on a la ventrale qui remonte ici. Au bout de quelques minutes, ça coupe le sang dans les artères qui passent ici et du coup, on ne tient plus, on lâche.